Salut, c'est Cosmos Zero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation de deck pour le jeu de cartes Gwent. Il s'agit d'un deck monstre fin dévorante. Alors j'en avais déjà présenté un il y a quelques mois, mais là c'est une version avec l'épouvanteur que je trouve vraiment sympa. Sinon effectivement, ça ressemble un peu. Alors, quel est le principe du deck? Le principe du deck, c'est de faire beaucoup de points et de valider évidemment son scénario. On a un petit peu de contrôle dans le deck avec la possibilité de détruire des unités, de faire des dégâts avec le chat garou, mais c'est pas vraiment le but du deck. Le but du deck, c'est vraiment d'avoir un round court à la fin et de faire beaucoup de points par rapport à l'adversaire grâce à son scénario. Alors, fin dévorante, vous connaissez, détruit une unité alliée, puis vous générez un imp. Vous avez trois utilisations. On l'utilise avec les capacités de Baroud d'honneur. Lampe magique, ça fait quand même un avantage à 5. Comme ça, pour les cavaliers, on a quand même un petit peu des points pour avoir domination. Après, on peut quand même l'avoir assez facilement, donc on peut quand même peut-être remplacer par un voile ou même l'avantage normal. Ça peut aussi nous faire avoir domination. Voilà, bon, j'ai laissé ça pour l'instant. Fantôme, donc ça c'est le scénario. Chaque fois qu'on joue un baroud d'honneur, on progresse et on aura l'occasion de manger ces barouds d'honneur et de faire des points. Roi au Béron, à la fin, il sera transformé puisqu'on joue dévotion quand même dans ce deck. Donc à chaque fois qu'on jouera une unité de la chasse sauvage, on l'améliorera de 1 point. Et en plus, avec lui, quand on le joue, on va en chercher une. Donc pareil, au final, ça peut vraiment être très fort. Detlav, donc baroud d'honneur, et vous connaissez le vampire, on le mange, il revient 2 fois. Nalgar, pour chercher une carte or, et en même temps, c'est chasse sauvage, donc on peut aller le chercher avec Gels. En même temps, Gels, on l'utilise plutôt pour les cavaliers pourpres, mais si on les a, ça nous fait une autre possibilité. L'épouvanteur endormi, donc ça c'est un peu spécial. Donc c'est assez lent parce que quand on le joue, on n'a pas de points. Mais par contre, une fois qu'on aura détruit 3 alliés, quand il est sur le plateau, c'est une 12 qui va arriver. Et donc vous aurez quand même beaucoup de points. Si en plus on la joue en même temps, dans le même tour que le scénario, là je pense que c'est gagné. À moins que l'adversaire puisse casser des artefacts, le scénario, l'épouvanteur. Mais comme il n'y en a pas beaucoup en ce moment, puisqu'il reste presque plus que la fournaise pour ça, ce sera un des deux, et du coup, vous aurez quand même bien l'avantage. Goliath, donc baroud d'honneur, c'est ce qu'on veut, 10. Par contre, si l'adversaire le détruit, il fait venir chez lui la carte disposant de sa force la plus élevée. Ça peut être embêtant, mais ça arrive quand même rarement. Reine de l'hiver. Alors, elle, c'est la carte brique. Brique, ça veut dire on la veut pas en main. Reine de l'hiver, on va la faire venir quand on va jouer les cavaliers pourpres sur 2 lignes, puisque s'il y a 2 givres, elle arrive. Et en plus, elle a développement. Donc, chaque fois que vous allez jouer au-dessus de 4, elle va augmenter. Gels, je vous l'ai dit, on cherche une carte de la classe sauvage, c'est ou Cavalier Pourpre ou Nalgar. Manticore Impérial, une fois que vous la mangez, baroud d'honneur, vous détruisez l'ennemi disposant de la forte la plus faible. Alors, contre des decks où il y a des petites 1, des 2, c'est pas terrible, mais des decks qui font 2-3 grosses cartes, ça peut vraiment être bien. Ada, 2 points de dégâts, si vous avez domination, c'est 4. Chagarou, alors ça, c'est très fort justement contre les decks Swarm qui font plein de cartes. Vous pourrez faire sur toute une ligne 1 point de dégâts et ensuite la manger, et puisqu'il a baroud d'honneur, et refaire 1 point de dégâts. Ça peut vraiment être très fort. Parasite, un peu de contrôle, 6 points de dégâts, ou vous pouvez aussi améliorer une unité chez vous de 6 points pour avoir domination, des choses comme ça. Cavalier pourpre, je vous ai expliqué, on joue nous forcément générer 2 gifs pour avoir la reine. Barguest pour dévorer une unité. En plus, la première fois qu'on dévore avec Barguest, ça compte comme une carte à... Si on dévore une carte, c'est 9, 5, 10. Donc une carte à 10 pour tout ce qui est développement, c'est très bien. Chasse-cogneur, donc pour déplacer, et en plus il y a du givre, on inflige 2 points de dégâts. Cavalier, si on a domination, en général on l'a, on appelle l'autre. Larve, développement, vous connaissez. Conquérant, Anne, elle, donc elle c'est chasse sauvage voile.
On joue dévotion, donc il n'y a pas de souci. Et puis, c'est aussi chasse sauvage, donc avec la carte Roi Oberon, ben vous pouvez les augmenter de 1. Spectre de minuit, baroud d'honneur et 6 de force. Brumelin, on le mange, il y a l'autre qui vient. En plus, ça cycle un peu le deck. Andriade guerrière, de quoi dévorer. Voilà, je pense que le deck, c'est vraiment un très très bon T2. Il rivalise peut-être même avec les T1, mais si par exemple on compte mur de bouclier, on n'a pas beaucoup de contrôle, donc je pense qu'on est quand même défavorable. Mais par contre, contre tous les autres decks, c'est vraiment un très bon deck. Et on va tout de suite voir une partie. On est contre Rassemblement. Ça, c'est bien. Reine, évidemment, on veut pas. Je peux chercher peut-être mon gel. Ouais, les larves, c'est bien. Lui, est-ce que je veux le jouer maintenant? Non. Ouais, voilà, j'ai le gel, ça c'est bien. Rassemblement. Est-ce que je fais mes larves et... Ouais, hop. Au pire, j'ai une 5 ici pour ma chasse cavalier. J'ai de toute façon Goliath aussi. L'épouvanteur, je préfère le jouer avec... Ça, faudrait que je tue. Ça va aller vite, ça. Je vais faire les cavaliers pourpres. Faudrait juste qu'il mette quelque chose derrière encore. Ah, il va tout mettre devant. La prochaine fois, ce sera personnel. Après, je prends un chat-garou, ça peut être bien. Là, il a intimidation. Je pourrais peut-être le tuer avec Ada. Ok, ça c'est bien. Je pense que je vais quand même jouer mon épouvanteur. Par contre, j'ai rien pour manger. Honor. Ouais, c'est pas incroyable. Après, il va sans doute faire une belle ligne. Par contre, faut que j'utilise mon leader, malheureusement. Est-ce que j'attends encore? Je peux, hein. Je fais Goliath. Un leader ici. Je resterai toujours fidèle à la roue.
Voilà, je suis quand même largement. Après, j'ai utilisé du leader, malheureusement, mais j'ai quand même largement des points en avance, même si ça, ça augmente. Joue son leader, il fait 10. Ok. Après, je peux encore faire 5, mais je pense qu'il a utilisé son leader, il est obligé de jouer une carte. Donc il peut pas bleed. Et moi, si j'ai jamais mon scénario au dernier round, je pense que je serais bien. Ça j'aurais dû avoir avant, ça aurait été bien. Ok, j'ai ça. Ça c'est bien aussi. Je peux peut-être essayer. Lui, il peut me chercher ça ou ça. Je vais enlever ça du coup. Ok. Est-ce que je garde le spectre pour un... J'ai barreau d'honneur. J'en ai encore, hein, mais... Ouais, je pense. Je vais faire ça. Rien de tel qu'écorcher leur poids les isoler. Après, à voir s'il a pas... Ça, ça me permettra peut-être de tuer sa carte qui grossit. C'est-à-dire le chevalier. Ouais. Ok, j'ai un barreau d'honneur encore, j'ai de quoi manger. Est-ce que avec lui je cherche le scénario? Ça, ouais, ce serait bien que j'ai lui. Hein. Mais le problème c'est que tout est bien, je peux peut-être virer lui. Ouais, ok. Je joue mes larves. Avec lui, je suis sûr de chercher mon scénario. Peut-être le faire plus tard. Est-ce que je gère ça? Non, je pense pas. Je préfère... Après, s'il le casse, je suis un peu deg, mais bon. Est-ce que j'ai le choix? Avec ça, je peux tuer une 3, ce qui est déjà pas mal. C'est ainsi que le déclin de l'ordre a commencé. Ouais, il peut... Est-ce que je tue ça? Je sais pas. Ce serait bien que ça meure, on va voir. On va voir ce que ça tue. Ouais, bon, pas la bonne, mais... Je pense que je suis quand même bien. Il pose pas le chevalier, donc peut-être que je peux tuer Jacques. Je pense qu'il l'aurait déjà fait. Hein. Lui peut générer. Ah ouais, il a le vieux bâtard. Ça va être compliqué. Après, je peux en tuer un avec Ada. C'est déjà ça, je pense. Ça fait qu'ils n'ont pas le lien. C'est déjà mieux.
Il fait la rixe. Ah, c'est con, ça m'enlève un... de quoi manger, mais bon, je pense que c'est pas trop grave non plus. Après, j'attends, mais s'il le verrouille, je suis un peu deg. Je vais faire ça comme ça. Du coup, je peux manger ça aussi. Voilà. Ça, ce sera très moyen. Après, ça fait quand même des points avec la larve. Je joue ça. Ok, il fait des points, mais c'est pas incroyable pour lui. Pour l'instant, je pense que je suis bien. La tête est un cadeau digne de notre roi. 20 points d'écart et je récupère encore 5. Donc 10 avec ça. Ok, il améliore tout. Voilà, même s'il a une fournaise, il me tue 10, ça suffit pas. Je vois pas ce qu'il a comme carte. Qui peut... Ouais, ok. Harald, mais ça suffit pas. Voilà pour les mécaniques du deck. Le deck est quand même relativement fort. Je pense que c'est un très bon T2. Comme d'habitude, la description du deck, elle est sous la vidéo. Voilà, moi je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous ait plu. Salut !